Notre invité adore prendre son pied, mais attention, il ne le fait pas n'importe comment, il le fait en s'occupant des pieds des autres. Tel un dieu du cuir, il a réussi à ressusciter une profession qui ne brillait plus. Anciennement journaliste, il a désormais trouvé chaussure à son pied. Notre invité s'appelle Marcello Faraggi, il est cireur de chaussures ambulant et on va lui demander s'il a 2 minutes. Première question, est-ce que je l'ai bien dit? Est-ce que vous êtes cireur de chaussures? C'est comme ça que... Cireur de chaussures ambulant. Ambulant, oui et non, parce que j'ai quand même des adresses très fixes. Et comment est-ce que... Alors la vraie question, comment est-ce que vous êtes devenu cireur de chaussures? J'ai fait plusieurs cours. J'étais stagiaire dans différents pays chez mes confrères. Excusez-moi, je ne vais vous pas demander si je peux ouvrir, c'est bon? Vous pouvez ouvrir. Oui, merci. Et... Alors, je voulais savoir, après 300 paires de chaussures, si j'ai vraiment encore envie de me lancer dans ce métier. Après 300 paires de chaussures? Oui. Pendant un week-end. En un week-end, vous avez fait 300 paires de chaussures? Oui, dans une foire, hein, exposition. On a travaillé à deux. Et le lendemain, j'ai dit, oui, je vais continuer. Mais avant ça, vous étiez journaliste. Comment est-ce que vous êtes passé de journaliste à ce métier? Ben, en faisant un peu de feu, vous avez peur? Je suis bien assuré, hein, c'est un problème, mais il y a des fils que j'aime pas. Et si on va d'abord brûler, et... vous savez pourquoi on brûle? Vous savez pourquoi? Parce que si vous tirez et vous coupez, vous tirez, alors ça va se défaire complètement. Alors on brûle et c'est fait. Et vous êtes sûr que je dois vous cirer les chaussures? Oui, je suis sûr. Parce que moi, je vois, écoutez, là, regardez là, on va pas peut-être d'abord chez le cordonnier, parce que mon cordonnier fait un travail magnifique. Mais bon, aujourd'hui, je vous fais une exception, je m'occupe quand même. On va faire comme si on n'avait rien vu. Alors, le meilleur résultat, maintenant, on fait un compromis pour les clients. Mais normalement, je cire le soir dans mon atelier. Et le lendemain, quand c'est bien pénétré et c'est bien séché, je peux lustrer. Et là, combien de temps il vous reste avant d'avoir terminé? Maintenant? Oui. 2 minutes? Alors ben justement, Marcello, 2 minutes, c'est le temps que vous allez avoir pour faire de moi une superbe cireuse de chaussures. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Si vous voulez vous faire tirer les chaussures, it's free, c'est gratuit. Ah mais ça c'est parfait. Ah, je commence par brosser tout simplement. Super, on va enlever la poussière. La poussière. De vos selles, hein, c'est ça. Il y a un peu de tâche. Mais oui, mais ils n'ont pas commencé, ils n'ont fait qu'enlever la poussière. Voilà, c'est ça, on dirait, exactement. Une brosse à barbe. On va faire un peu de feu. Un peu de feu? Oui. Ah oui, on va faire un peu de feu. T'as vu déjà où, Jessica? Alors, ici. Il brûle les petits fils qui dépassent. J'essaie de ne pas brûler votre chaussure. Plus près. Non, maintenant tu te brûles les doigts. Ah non, mais mes doigts, ça va, c'est plus la chaussure de madame. Voilà. Alors, l'étape suivante, Marcel. On va caresser le cuir, tu prends un doigt. Ah oui. Et tu tournes. N'oublie pas aussi les côtés et les talons. Parce qu'il y a des clients qui sont méticulés. Ils vont bien contrôler tout après. Alors. C'est vrai? Ah oui, il faut. Avec ma clé, on n'avait pas fait les talons. Alors tu sais pourquoi on préfère mettre le doigt? Pourquoi? Parce que tu as une certaine température non, de la peau, oui. du corps. Alors la cire peut fondre. D'accord. Et va mieux aussi s'appliquer et pénétrer. Attends. Je ne t'ai pas montré, c'est ma faute. C'est la faute de prof. On va jouer un peu aux cartes. Mais on va clôturer plutôt le défi. Viens. Qu'on a pas on va clôturer les défis. Oui. Et tu mets la carte pour protéger les chaussettes. Ah. Voilà. Alors là, tu vas faire vite parce que c'est la chaleur qui compte. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est la chaleur qui va faire briller. Là, c'est pas évident. Oh, mais elle fait bien, non? Et voilà le travailleur. Est-ce que ça vous convient, madame? Super. C'est super. Oui. Alors 10 points sur 10 points. 10 points sur 10 points. Alors, je trouve que vraiment, tu mérites notre sigle de notre association des cireurs. Et bravo. Ça, c'est trop gentil. Voilà. Ça veut dire que éventuellement, tu m'engages un jour. Ah ben, je compte sur toi. Marcello, qu'est-ce qui, toi, te plaît vraiment dans ce métier? Ah, j'aime beaucoup de ne pas jeter les chaussures. Alors, si on peut sauver les chaussures, donner un deuxième vie, c'est parfait. Et deuxième côté, c'est la communication.
la communication avec les gens. Avec les gens, c'est magnifique. Tu apprends quelque chose, tu peux t'échanger, c'est très sympa. Et alors ton quotidien, c'est vraiment ça? C'est cirer les chaussures des gens, tu fais ça tous les jours? Disons, si 2-3 jours, j'ai pas de chaussures, ça me manque. C'est vrai? Oui. Tu cires les tiennes alors? Aussi. Et tu arrives souvent à avoir des demandes, je veux dire, ça roule plus ou moins souvent? Ça roule, on peut gagner sa vie, on ne devient pas riche, sauf riche des émotions, des clients sympathiques. Ouais. Est-ce que tu arrives à dire beaucoup de choses sur les gens juste en voyant leurs chaussures? Parfois, je crains que oui. C'est vrai? Mais je ne dis pas parce que... Tu sais un peu comme les boules magiques, tu sais dire beaucoup de choses sur les chaussures des gens. On voit si quelqu'un fait attention ou non. Hein, ben écoute, en tout cas, je vais garder sagement ton pins. C'est pour toi. C'est... Je l'ai mérité. On se revoit. Tu as mérité 100%. Hein, et en plus, tu as bien brillé avec la cliente. Alors, super. Joli.